Tori Spelling pète les plombs, son mari prévient la police. Plus de peur que de mal. Entre mercredi 28 février et jeudi 1er mars, la police a été appelée deux fois au domicile californien de l'actrice Tori Spelling, rapportent les sites News et TMZ. C'est le mari de la star, Dean McDermott, qui a prévenu les forces de l'ordre, la deuxième fois en raison de l'état d'agitation de celle-ci. Mercredi 28 février, la police est intervenue au domicile de l'ancienne star de Beverly Hills 90 210, car Tori Spelling était persuadée que quelqu'un essayait de rentrer illégalement dans la maison. Il s'agissait en réalité de son époux, et les policiers ont donc alors rapidement fait demi-tour. Toutefois, le jeudi matin vers 7h, Dean McDermott a sollicité les agents du poste de police de la Topanga Community pour une seconde intervention, car sa femme était en plein pétage de plomb. Il a déclaré à la police qu'elle était très agressive, mais a précisé qu'elle n'avait pas fait usage d'une arme. Les policiers ont rempli un rapport pour violence domestique mais n'ont procédé à aucune arrestation. Sur les photos diffusées par TMZ, on peut voir Dean McDermott discuter avec les agents sur le perron de la maison, décontracté, mais montrant son avant-bras à l'un d'eux. Pour prouver qu'il a reçu un coup ou autre. Quant à Tori Spelling, elle n'était pas en mesure de subir une évaluation psychiatrique. La veille de cette intervention, l'actrice semblait aller bien puisqu'on a pu la voir en promenade avec une candidate de l'émission de Bachelor, Corinne Olympio, et une autre femme.